Bonjour mes élèves. Bonjour maîtresse. Les élèves, observez bien ce poster. Que voyez-vous sur cette image? Oui, Inès. Je vois sur cette image un monsieur et des élèves. Bien. Où se trouve ce personnage? Je t'écoute, Inès. Ces personnages se trouvent dans une classe. Excellent. À votre avis, de quoi parle le monsieur et ses élèves? Oui, le roi. À mon avis, le monsieur explique aux élèves comment écrire avec un stylo plume. Ah, comment le sais-tu? Parce qu'il trempe son stylo plume dans un encrier. On va voir ça après. Alors, écoutez bien ce dialogue. C'est une conversation entre l'invité du CE2, Jérôme Maxime. Bonjour, monsieur Pierre. Bonjour, je me présente. Je m'appelle monsieur Beloiseau et je suis écrivain. Parlez-nous de votre métier, s'il vous plaît. J'écris des histoires. J'utilise mon énorme stylo plume pour écrire et noter toutes les idées qui me viennent à l'esprit. Qui sont Jérôme et Maxime? Ah, oui, Nada. Jérôme et Maxime sont mes élèves. Bravo. Comment s'appelle l'écrivain? Je t'écoute, Idriss. L'écrivain s'appelle monsieur Beloiseau. Excellent. Quel est le métier de monsieur Beloiseau? À toi, Kenza. Monsieur Beloiseau est écrivain. Excellent. Qui peut me donner des exemples d'autres métiers? Vas-y, Ibrahim. Un boucher. Un boucher. Très bien. Je t'écoute, Mohsine. Un ministre. Un ministre. Très bien. À toi, Inès. Un policier. Excellent. Que voulez-vous devenir plus tard? À toi, alors. Plus tard, je veux être un dompteur. Ah, tu veux devenir un dompteur? Tu veux dresser les animaux dans un cirque? C'est un métier dangereux. Encore d'autres? À toi, Riba. Je veux devenir plus tard une dentiste. Ah, une dentiste? Tu veux soigner les caries? Excellent. Encore d'autres? À toi, Marwa. Plus tard, je veux devenir une maîtresse. Ah, une maîtresse? Tu veux devenir comme notre maîtresse, Madame Skrli Esma? Oui. Bravo. Bon courage. Qu'utilise monsieur Beloiseau pour écrire? Je t'écoute, Ziel. Monsieur Beloiseau utilise son stylo plume. Excellent. À quoi lui sert-il? À toi, oui, Anne. Le stylo plume lui sert à écrire et des histoires et noter toutes les idées qui lui viennent à l'esprit. Excellent. Chers parents, merci pour votre attention. Bravo.